Je vais inviter ici mon frère, le prophète Ange Josaphat, qui aura 30 minutes pour nous arroser. Sans plus tarder, j'ai l'honneur de recevoir sur ce pupitre le révérend prophète Ange Josaphat. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Can we clap? Alléluia. Gloire à Dieu. Salut ton voisin, dis-lui gloire à Dieu. Oh, salut bien ton voisin, dis-lui gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur pour cette nuit? Non, ta manière d'acclamer n'est pas à la gloire de Dieu. Lève la main comme ça. Dis mon père, merci pour cette nuit. Mon père, merci pour ce temps. Amen. Reste debout comme ça. J'aimerais bénir Dieu pour la vie d'un homme, que j'aime particulièrement. Amen. Vous qui me connaissez, vous savez que je n'ai pas de frère. Amen. Mais quand j'appelle quelqu'un mon frère, c'est que c'est mon frère. Et aujourd'hui, il fête ses 1 an de plus. Amen. Je me disais tout à l'heure à mon frère, on dirait qu'on est en train de vieillir. Hein? Je lui ai dit non, tu rajeunis par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Un homme que j'aime particulièrement et profondément. Pour son humilité, pour sa simplicité, pour son amour. Amen. Un homme exceptionnel qui fait des choses extraordinaires. Que Dieu utilise puissamment et fortement. Et quand Dieu utilise puissamment, vous savez, dans le milieu ecclésiastique, lorsque Dieu fait des choses extraordinaires, surnaturelles avec toi, tu es généralement tenté par ce qu'on appelle l'orgueil. Amen. Être imbu de toi-même, être orgueilleux. Mais avec la grâce, l'autorité, la gloire, la puissance que Dieu manifeste au travers de cet homme, je trouve toujours en lui un petit enfant, rempli d'humilité, de bonté et d'honneur. Amen. Et ce genre de choses sont rares dans le milieu des chrétiens. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses jouer les deux mains avec moi, s'il te plaît, et que tu puisses célébrer Dieu pour la vie de son serviteur. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas trop d'anniversaires. Et la seule fois où on parle d'anniversaire dans la parole de Dieu, c'est lorsque on parle de Hérode. La Bible dit Hérode était en train de fêter son anniversaire. Alléluia. Et la Bible dit la tête de quelqu'un est tombée. Donc ça veut dire qu'à un anniversaire, la tête d'une personne peut tomber. Et à l'anniversaire de ton père, la tête du géant de ta destinée tombera au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas un amen à la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux donner un amen comme le tonnerre? Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais appeler auprès de moi mon épouse. Vous savez que j'étais longtemps captif dans les chaînes du célibat. Un célibat chronique et nerveux. Et par la prière de mon frère qui m'a soutenu en priant en esprit, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir rencontrer l'appel rare, une charmante épouse, l'os de mes os. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de mon épouse, le pasteur Méron? Si tu veux acclamer, acclame bien Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je pense qu'elle aimerait donner une parole à l'homme de Dieu. Et une anecdote, elle m'a dit. Vas-y. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, j'ai bien sûr une petite anecdote à raconter rapidement. Je ne pouvais pas partir sans la partager, particulièrement à l'homme de Dieu qui est ici présent, le prophète Ferdinand Ekané. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Amen. Alors, l'anecdote, c'est qu'il y a quelques années... Je suivais l'homme de Dieu sur YouTube, comme la plupart d'entre vous ce soir. Et je me suis rendu compte que ces messages me faisaient beaucoup de bien. Amen. Amen. Et donc les mois ont défilé et quelques mois après, je rencontre mon époux aujourd'hui qui est le prophète Ange Josaphat. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie s'il vous plaît? Amen, 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 amen. Amen.
je rends vraiment gloire à Dieu parce que aujourd'hui, j'ai l'honneur déjà de lui souhaiter un joyeux anniversaire et je rends grâce à Dieu qu'il ait connecté divinement mon époux. Quand je rends gloire à Dieu, vraiment, je suis très reconnaissante. Je ne sais même pas comment exprimer la joie pour son anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon épouse est obligée de partir rapidement. Elle est venue spécialement pour voir l'homme de Dieu lui souhaiter un joyeux anniversaire. Amen. Elle doit rentrer en Suisse et son vol l'attend. Donc, elle sera obligée de partir et de rentrer rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu jusqu'à ce qu'elle descende? Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame bien. Maintenant, tape dans la main de ton voisin. Dis, voisin, hein? Il nous reste encore quelques minutes. Dis, le miracle n'est pas encore fini. Ta manière de parler à ton voisin me dérange. Dis, voisin, hein? Le miracle n'est pas encore fini. Non, secoue ton voisin comme ça. Dis, voisin. Oh, parle bien. Dis, voisin, hein? Le miracle n'est pas encore fini. Vous savez, ce qui me plaît dans un match de football, c'est que lorsque on dit c'est la deuxième mi-temps, nous sommes à la 90e minute, on dit le match est presque fini. Mais il y a quelque chose qui arrive, on dit il y a des temps additionnels. Et c'est dans les temps additionnels que Dieu manifeste sa grâce et sa puissance. Ce soir, à ce temps additionnel, quelque chose va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Alors, je disais tantôt que nous sommes au temps additionnel. Dis à ton voisin, nous sommes au temps additionnel. Alléluia. Gloire à Dieu. Lève la main comme ça. Dis mon père, mon père. Dis mon père. Ta grâce suit ma vie. Ta grâce suit ma destinée. Mon père, à cette nuit, ta lumière, ta grâce suit ma vie. Ta faveur, ton autorité, ta puissance sur ma vie. Mon père, à cette nuit de prière, toute force occulte qui me dominait ce soir, ce matin, est brisée au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu libères ma vie et ma destinée. À partir d'aujourd'hui, tu transformes tous les domaines de ma vie et de ma destinée. Au nom de Jésus, lève les deux mains s'il te plaît.